bah victoire pour être chaud, toi. En Mamba Mentality, gros. Je vais faire une spéciale. J'ai perdu les frères. Ça, c'est vraiment chiant. T'as encore une chance. C'est qui a gagné? T'es chaud. Jeannot, je le mets. Lui nous a bien enchaîné. J'aime beaucoup comment la vidéo commence, les amis. On se retrouve aujourd'hui, les gars, pour une nouvelle vidéo. J'ai deux invités d'exception à ma gauche et à ma droite. À ma gauche, mon gars Totoche, connu pour ses exploits. Ici même, 1m73, il dunk, je vous rappelle, c'est impressionnant, c'est incroyable. À ma droite, Kevin Serafin, on ne le présente plus, le Frank Savage, ancien joueur NBA. Et au milieu, moi, Brisco, champion de Départ 4. C'est beaucoup d'amis frustrés qui en parlent ici. Tu vois, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est un truc que j'ai dans mon palmarès. Boris Dio, il allait chercher maintenant son championnat de départ, tu vois ce que je veux dire. On se retrouve, les gars, aujourd'hui du coup pour une vidéo sponsorisée par le jeu NBA Fantasy. Je vous en parle maintenant, les gars. Cette vidéo est donc sponsorisée par la nouvelle version du jeu NBA Fantasy. Pour vous faire simple, NBA Fantasy, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un jeu de fantasy où vous allez devoir créer votre équipe, sélectionner donc 5 arrières et 5 intérieurs, et en gros chaque jour de match, les statistiques que vos joueurs vont réaliser vont vous rapporter des points. Petit exemple rapide, si demain Stephen Curry marque 60 points, ça va tout simplement rapporter 60 points à ton effectif, et ainsi de suite pour chaque joueur que tu auras sélectionné. C'est pour ça qu'il faut être très smart sur ses choix. Bien évidemment, lorsque vous créez votre team, il y a un salary cap, c'est-à-dire une limite de salaire. Sinon, ce serait trop simple. On n'aurait que des joueurs All-Star, on aurait tous les mêmes points et on pourrait pas nous départager. Donc, avec 100 millions de dollars initial, vous allez devoir choisir les 10 joueurs qui, selon vous, au cours de cette saison, pourront vous ramener le meilleur total de stats cumulés. Ensuite, il y a plein de petits détails sur lesquels il faut jouer, comme par exemple choisir un capitaine dont les points compteront double, choisir une stratégie à adopter en boostant soit les stats de vos arrières, soit ceux de vos intérieurs, etc. Vous me connaissez, je suis très joueur, donc j'ai aussi participé. J'ai créé ma team qui s'affiche maintenant à l'écran. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Mais c'est pas tout, je suis parti un petit peu plus loin et j'ai même créé ma ligue que vous pouvez vous-même rejoindre via le lien dans la description. Il y a aussi un mot de passe pour rejoindre ma ligue que je te mets juste là. Je vous y attends nombreux, les gars, il y aura des lots à gagner au cours de la saison. Et je suis curieux de savoir si vous réussirez à faire une meilleure team que moi. Donc voilà, les gars, même si on sait que je suis meilleur que vous au basket, au moins vous pouvez peut-être me battre virtuellement. Ou pas. Si tu participes, que tu as créé ta team et que tu rejoins ma ligue, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On fera plusieurs petites updates au cours de la saison, voir qui est le premier de ce classement. Et comme je vous dis précédemment, il y aura forcément des petits cadeaux. Donc restez connectés et venez rejoindre la Brice Cup. Ouais, c'est le nom que j'ai donné à ma ligue. Retour à la vidéo. Principe de la vidéo, les gars, aujourd'hui ça va être très simple. On va se défier avec mes gars, Totoche, Kevin et moi-même. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant inscrire dans les commentaires qui vous pensez qui va gagner la majorité de ces défis. On va additionner les points à chaque fois. Une victoire, ça vaut 3 points, les gars. Deuxième, 2 points. Dernier, 1 point. À la fin, on verra qui aura été le meilleur. On va commencer, les gars. T'as une question? Ouais, je suis en train de me rappeler en fait. Et moi, on a déjà fait un coco de chou. Ouais, mais c'est qui a gagné? C'était toi, mais pas ah, méchant, méchant, méchant. Ok, t'es chaud. Ok, il est chaud. Mais justement, les gars, on va commencer avec le concours de shoot, avec le même jeu sur lequel Totoche avait gagné, la banque, la fameuse banque. Kevin, tu vois ce que c'est, la banque? Ouais, je vois, okay. Je vois. Chacun un spot, les gars. Les gars, pour la banque, c'est premier à 7 dans sa banque. Comme ça, ça met pas 10 ans. Premier à 7 dans sa banque. Ça veut dire que ça peut enchaîner vite. Dès que t'as 7, ciao bye. Oui, juste, est-ce que je peux dire que je suis blessé ou pas? J'ai mal à la main. Ah, tu commences déjà? Ah, j'ai mal. Mais non, mais gros, c'est quoi ça? Carrément, Jeannot, je le mets. Totoche, tu vas aller, hop. Je suis déçu. Ça va pas être une partie de plaisir. Ah, ah, Totoche. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis venu bidouiller. Enfin. T'es fou. Enfin, bordel. Mais non, mais lui, ça va pas être drôle. Je savais que j'aurais pas dû l'inviter. Je suis pas venu bidouiller. Je t'ai dit. Arrête. On n'a pas la pression, nous. Nous, on n'a pas la pression. Moi, je suis né sans pression, tu connais? Y'a pas de pression. Chez nous, y'a pas de pression. Y'a pas. Totoche, 4, ça fait beaucoup. Juste te dis, 4, ça fait beaucoup. 4, c'est plus que la moitié des... Mais arrête de parler. Non, juste te dis. Arrête de parler. Arrête de parler. Juste, ça fait beaucoup. Je te dis. Non, mais j'aime pas, putain. Totoche, de base, je t'aime bien, mais en vrai, je crois que c'est soit toi, soit moi. Ce sera pas lui, donc t'as vu, faut faire un choix. Eh, hey, je pensais, j'ai invité Totoche Prime. Blessé. Il sort de Battle 5, prestation incroyable. Ouais, je suis pas sûr, hein. Là, non, ça vient de, je te jure, ça vient de s'ouvrir. Okay. Moi, quand je tire comme ça, et à la fin, il guide. Ah ouais. Ça veut dire... Ah ouais. Ah, et à la fin... Voilà, j'ai t'avais annoncé. Respectez-moi. T'avais annoncé. Oh! Eh, hey, ça fait un! Eh, on lui a mis un, c'est déjà bien! Jure, si je rate, c'est fini! Si je rate, c'est fini! Attends, t'as mis trop de pression là! Trop de pression! Mais attends, non! Eh, hey, tu vas déconcentrer! Non, tu vas déconcentrer! On t'a donné les règles avant de jouer! Il m'a déconcentré! Va à ta place, wesh! Va à ta place! S'il te plaît, wesh! Arrête! Non, dans les commentaires! Va, gros, y'avait un shoot avant! Non! Tu peux pas juste décider tes règles! Moi je dis, regarde! Tu peux pas jouer! Non, c'est simple, regarde! Et après, demander que là! Non! Raté! Là, t'as une dernière chance!
pas de pression, c'est voilà. Bon. Mais comme d'habitude. T'es comme à l'entraînement, Antoine. Comme d'habitude, voilà. Voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Toto, je t'ai merdé, man. J'avais le spot le plus simple. Là, du coup, là, on a quoi? 3-1. Ok. 3-1, premier en 7. Ah, ça m'a shooté. À toi de shooter. Ok. Regarde, Toto, je vais te venger. Regarde comment je vais créer l'exploit. Oh my god. Ok, un dans la bench. Putain, my god. Deux. Ah ouais, ça va vite quand même. Il est chaud, hein. Moi aussi. Hey. Putain. Dedans. Mais wesh. Hey. S'il te plaît, coupe pas son montage, ce que je viens de faire. Kevin nous a bien enchaîné. Ouais. Non, mais moi j'ai une théorie très sombre sur ce que vous avez fait, mais vas-y. On t'a laissé une chance déjà, t'as vu. J'ai raté parce que tu m'as déconcentré. Arrête, j'ai dit, là je tire, j'ai tiré cash. Arrête, c'est fini. Mais comment je t'ai déconcentré? Vas-y, allez. T'as pas loupé parce que. De toute façon, vous allez voir les commentaires, regardez bien les commentaires. Et les commentaires, ils vont pas être dans ton sens? Dans les commentaires, enlève les commentaires. Il est le plus proche du panier déjà. Il est le plus proche du panier, les gars, ouais. Moi je suis plus petit. Vas-y, je vais là-bas. T'as dit au début que t'étais fort et que tu. Oui, mais pas au tir. Ok les gars, je vais expliquer les petites règles de ce 1 contre 1 King of the Court. Premier en 12, une victoire égale 1 point. Même si tu mets un 3 points, ça compte comme une victoire. Kevin n'a pas le droit. Pas de post-op, par contre s'il y a un lay-up, je peux aller. Oui, bien sûr, oui, voilà. Il sait pas, on m'appelle la tempête d'Haïti. Un premier pas, je suis déjà là-bas, il cligne des yeux, bao. Photo gay. Montre-nous un peu. Tu joues avec des Air Force? En fait, je m'attendais à un concept chill, je m'attendais pas à un V1, sinon je serais venu. Non, il a dit t'es pas assez fort pour qu'il mette sa paire, c'est ça la vérité. Ok, ah, c'est ça, c'est bien ça. Comme toi qui l'a spoté chez eux. Moi, c'est autre chose. T'as juste par contre mes lunettes. Ok, ok. Ok, Toto, show him. Ok, je montre lui. Purée, j'ai cru. T'as vu ou pas? Je t'ai dit. J'ai cru. Vraiment, j'ai cru. Ça a double ouais, pas quand c'était. Ouais. Mais comme toi, c'est pas rentré. Vas-y, va là-bas, vite fait. S'il te plaît. On play defense, bro. I don't let him shoot, man. I swear, Yes. Oh. Regardez la tempête d'Haïti face à l'ouragan de Guadeloupe. T'as pas de tèche déjà. Tu penses? Ouais. T'es sûr de toi? Ouais. Hey, vas-y. Oh. MDR. That's too easy. Cash money. You got a defense, man. You got to play defense on there. Honnêtement, je pense que le caméraman, tu vas venir. Toi, tu vas filmer. Et on va changer. Ok. Oh oh. Kevin, you let me shoot. Let me shoot you. Oh. Oh my god. Je reconnais quand quelqu'un se laisse aller par les émotions. Tu penses que c'est ça? Je pense que c'est ça. 1-0-0. Ok. Oh. Il y a rien dessous. Pull up. Il est trop petit lui. Oh. Il est trop petit lui. T'as vu? Alors imagine toi tu voulais le laisser rentrer dans il la raquette. Il est trop petit lui. Il m'a poussé. Mettez le slow-mo, il m'a marché sur le pied. Odo, il t'a pas poussé. Odo, il t'a pas poussé. Il m'a marché sur le pied, ouais. Mettez le slow-mo, vous allez voir. Oh là. Oh nice. Oh, il touche. Bien joué. Ok. Ok. J'aime ça, okay. J'aime ça. Quel chou! La virgule de ton pantalon, elle se barre. Hey nice! Pourquoi il crie? Oh! Oh! Je la voyais trop dedans, wesh! Je la voyais trop dedans! Ah, il veut trop jouer! Non! That's too easy. C'est un peu inarrêtable. Il le met contre moi. Je vais vraiment voir quelqu'un dans les commentaires. Toto, je lock-le, ouais, je lock-le. Je vais vraiment voir quelqu'un dans les commentaires. Putain. Oh, touché. Ouais, ça touche. Ah, t'es content quoi, c'est bon, tu veux t'amuser, hein. Ouais, de ouf. En fait, je me souffle un peu. Nice. Oh. I won. Une belle faute. Oh, le bâtard. F3. Fais la même contre moi. Tu veux? Fais la même contre moi, vas-y. Tu me laisses tège? Ouais, vas-y. T'as pas de tège. Je sais, Brice. Arrête de mentir, Brice. Je me souffle, c'est moi. Tu vois ce que... En fait... Un menteur, Brice. Je vais vous montrer pourquoi j'aurais
Pourquoi j'aurais pu jouer à NBA malgré ma taille? Oui, je t'ai mis. T'as vu que t'as regardé ou pas? You smoked it. Là, mon talon parle pas de lui-même pour l'instant. Là, c'est moi qui parle. Too easy. Voilà. Voilà. Oh non. Ah, yeah. Oh my god. Pousse le frère, tacle-le, wesh. Et croque sa jambe, wesh. Moi, ça part. J'aurais pas dû laisser. Six. J'aurais pas dû laisser. Viens, on le balaye, viens, on le tacle. Je sais pas. T'as un couteau? T'inquiète, je vais gérer. Oui, encore. Saute, voilà, c'est ça. Putain, voilà que c'était de la bonne défense en plus. Il est chiant. 7. Il est pénible. Putain, wesh. Dommage. Oui, oh putain. Pourquoi tu l'as embêté? Pourquoi tu l'as cherché au début toi aussi, wesh? Je décrète officiellement que Kevin, il est assez fort pour que je sois menacé. C'est un honneur que je te fais, Kevin, sache-le. Putain. Ah, ça me fait plaisir. Je le regarde à chaque fois sur ses vidéos, je suis là, regarde ça. Regardez, t'attaches pas ses lacets, ce bâtard. Oh, oui. Wow. Nice G. Nice, voilà, comme ça. 5. Give me that. J'aime le respect qu'il y a, j'aime le respect. Je suis bête. En vérité, j'ai chaud qui commence à dribbler, à faire n'importe quoi. 6. I'm hot. Allez, bam. I'm hot. J'arrive avec les têtes. Nice dude. Face. That's a facial. That's a facial, man. Les gars, là, ça commence, là. Je vais m'occuper d'eux, regardez bien. Mon shoot, mon tir, il est chaud, là. Il me laisse, en plus. Pourquoi je parle comme ça, wesh? Pourquoi je parle? C'est un petit lion. Pourquoi je parle? Oh, no hands? No hands? Ça me fait chier de part. Tu es dans sa tête. Run free, comme on dit. Oh, yeah! Oh, le bâtard! Oh! J'avais bien tenu en vous. This is my house! T'as suivi, là? Bien sûr, j'ai suivi. T'as bien suivi. Je savais que t'allais passer derrière. Hey! Gang! Là, t'es chaud, là? He's tight. I know he's game. Oh. Dommage. C'est bien joué. Oh! Kevin, stay with us! Kevin! Stay with us! Stay with us! Come on, man! Bon, finis ça. Ah! Fini où ça? Toi, ça aille pas les bails. Oui. Ah. Oh, let's go. Franchement, c'est n'importe quoi. Quoi? Ouais, c'est n'importe quoi. Je suis petit, faut que je me débrouille. Kevin, assez blablaté, hein. Ouais, on est d'accord. Oh, le gars, j'ai cru qu'elle rentrait. Oui, encore, Totoche. Putain. C'était défense de dos, mais le concept, j'aimais bien le concept. En fait, il me fait peur, de face. Oh, nice move. 11. That's game point, Kevin. Tu veux pas coller un peu plus? Non. On sait jamais si tire, hein. Kevin, défends. Hey, je respecte ton shoot. Ok. Mais ton dribble, il est chiant. Il est très, très chiant. Oh, mais t'as plus de possibilités de me rattraper si je drive. T'inquiète pas, laisse-moi gérer. Là, il y a une bonne distance. That's game! Hey, that's game!
NBA players. Oh, c'est parti. C'est parti. Eh, nous, on s'en fout, nous. Ici, là, c'est chez moi, les gars. C'est comment tu dis? Put some wet. Put some wet. Put some crack on my name. This is my house, man. Toi, je n'ai pas plié. Si tu gagnes la dernière épreuve, t'as encore une chance. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Il faut tout jouer maintenant, les gars. Vas-y. On va partir sur un horse, les gars. Trois lettres. NBA. Je vous explique pas les règles du horse. Vous connaissez déjà? Ça veut dire, là, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Trois lettres, les gars, ça va vite, trois lettres. Ouais, mais si tu fais des galipettes, des conneries comme ça. Aïe, aïe. Oh, oh! Oh là là. Oh! Oh, 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 oh! Yes! C'est un N! C'est un N, Kevin! Ah là là, il est trop grand, purée, il est trop grand pour faire c'est ça. C'est trop près de bonnet, purée. Ah, ah, il est trop grand, purée! Oh là là, il a réussi. Sors-nous encore un autre tour de ta botte spéciale, là. Je vais rentrer. Ok, 36, oh! Oh! Oh trop grand! Okay. Il nous montre qu'il est toujours vivant! Ok, hop! Ouf! Donc attends, là il a NBA. Toi t'es NB toi, toi t'as NB. C'est incroyable. Moi je suis un vrai joueur de basket. Moi je gagne un contre un. Toi lui c'est un practice player. On appelle ça dans le jargon un practice player. Attends donc là NB tous les deux. Genre il va nous battre à zéro genre. Moi j'accepte pas. Il est focus. Faudrait réfléchir à ton prochain move. Il est en Mamba mentality gros. Shoot. Ouf. Oh yes. Hey. C'est bon. T'es parti hors de la raquette. C'est bon. Non mais avance un peu sinon. Non non c'est bien. Non non je suis bien. Oh là là. Je vais faire une spéciale, ça va être très simple. Mais tu peux faire ça. C'est la petite manchette. Si c'est ça, c'est exactement ça, j'adore. J'adore et normalement. Oh. Oh normalement ça passe à tous les coups wesh. Normalement ça passe à tous les coups. Pas tous les coups. À 99. Oh tiens, tiens, filet comme ça. Ah, putain, j'ai cru qu'elle sautait par-dessus moi. Qu'est-ce qu'il fait encore? On est pas. Hey, c'est pas le début hein. On est pas obligé de suivre la Corée hein. Regarde ça, putain, c'est dinguerie. Je sais que c'est une dinguerie. Philippe Candelon. Philippe Candelon. Ouais, heureusement que là je fais ça. Oh putain. Toi Jordan les gars, toi Jordan. Nice. Bah en vrai du coup moi si je rate c'est bye bye. Ok. À toi. J'ai perdu les frères. J'ai perdu. Putain. Ouais. Toto, s'il te plaît, gagne ton épreuve. Remets tous les compteurs à zéro. Je peux pas accepter. Gagne ton épreuve. Remets tous les compteurs à zéro. Tu peux le faire. On croit en toi. J'espère que quelque chose à sa dégré, ça passera pas. Oh là là. Oh là là. Moi, c'est que au shoot. Moi, je sais que les shoots, t'as du mal avec. Un lancer franc simple. Oh. Il a tapé des mains en l'air, c'est un malade. Une main. Main gauche. Putain, il est casse-couille, wesh. Main gauche. Ça, c'est vraiment chiant. Dedans. Remets les compteurs à zéro. J'ai quand même perdu un contrat quand même. T'as quand même perdu un contrat, c'est un peu la surprise du jour. Ouais, totalement. Les gars, merci à mes deux invités du jour. Kevin pour sa disponibilité, Totoche pour sa disponibilité. Également, c'est des personnes super busy les gars. Vous avez pu voir que hein, malgré qu'on ait un Totoche un peu blessé, qu'un contrat a eu un petit peu du mal à démarrer sur le horse, il nous a quand même surpris avec des gestes très athlétiques. Kevin, pour ceux qui savent pas, c'est vrai qu'on a un peu l'image de toi, big man, un petit peu gars, pas brut, mais tu vois, un peu la force, ah force ouais, pas du tout. Et en vrai les gens ne savent pas ouais. Mais t'as été le premier client de, pour ceux qui connaissent, l'Étal Shooter qui est le meilleur shooter d'internet ouais. T'as été la première personne avec qui il a bossé, c'était toi tu me disais ouais, c'était ici en plus. Donc voilà, anecdote de fou. Et comme quoi bah, c'est un de mes meilleurs potes donc ouais. Voilà, donc c'est de là qu'en gros que Kevin il tire son tir et que voilà, donc c'est, il est loin de ne pas avoir de finesse. Il moi est très loin de ça. J'ai une question, dis nous Kevin, il s'est bien tiré? Oui. Si je mets mon 3 points, il me donne sa victoire. Si je mets mon 3 points, tu me donnes ta victoire. Quelle victoire? Là, la tienne, ouais. J'ai gagné 2 points. Ouais, c'est pas grave. Tu veux toute ma victoire? Ouais. Alors en fait, donc en mode, t'as rien gagné, mais si tu mets un shoot, t'as tout gagné. Ouais. Ah ouais, t'es chaud, toi. Je crois pas en toi. Donc on reprend la vidéo. Déranger les gens comme ça, ça fatigue, ça merde. Donc tu fais quoi? On va faire un petit total d'espoir. Mais t'as, pourquoi t'as parlé comme ça au début, lui? Photo! C'est lui aussi qui me chauffe. La tête d'homme. Je suis calmé. Moi, t'as vu, je fais ça pour l'entertainment et tout. Méchant, wesh. Non, un total du coup de 5 et 2 points. Dernière victoire. Toto, je t'arrive deuxième, donc tu prends 2, tu montes à 4. Toi, tu prends 8. Et moi, je prends 1, donc je monte à 6. On a donc premier, deuxième. Et toi, je monte troisième. Ouais, c'est logique. Hein. C'est logique, c'est la taille. Hein. En vrai, quand tu regardes la taille, c'est un peu. Ça fait les Dalton, frérot. Non, la taille, c'est pas une excuse. C'est vrai. C'est vrai, mais en tout cas, ils ont tout donné. Merci à vous les gars d'ailleurs d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger la nouvelle version du jeu NBA Fantasy disponible en lien dans la description. Il y aura plein de cadeaux à gagner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une bête de vidéo. Allez vous abonner au poteau Totoche. Allez, je vous mets le compte Insta. French Savage dans la description YouTube aussi. Allez le suivre, il fait plein de belles choses. Et on se retrouve la semaine pro pour une bête de vidéo. Peace.